Ça a fait comment nous venir sur la plateforme Léona Choua. Je dis à la main fait vidéo ça pour capable éclaircir pour les gens qui ne pas comprendre qui ça qui Comar. Comar, c'est BIWO, Commission Mexicana de Ayuda a los Refugiados. Nous avons fait une vidéo sur ça. L'IPAD viral, mais espérons nous capable faire ça viral pour les gens qui toujours demandé ou capable comprendre. Nous retourner faire l'encore pour nous capable comprendre qui ça qui Comar et pour qui ça Comar lui-même, lui là. Je résume. Si tu as plus d'informations, montez sur Facebook. Marqué Commission Mexicana de Ayuda a los Refugiados et dans sigle qui c'est Comar ou a besoin de plus d'informations. Comar, j'aime dire là, c'est un bureau qui là pour capable recevoir cas et demande refuge avec protection pour moun qui en danger dans pays yo. Si vous sorti Haïti, bon comme c'est en créole m'a fait, c'est pour haïtien ou même qui sorti Haïti ou capable profiter des conjoncts du pays d'Haïti ou du moins si on persécution personnelle que vous avez gagné pour capable demander refuge avec protection devant bureau Comar. Nous connaissons la majorité monde qui vient ici, c'est monde qui passe pour aller aux États-Unis. Les agents fait nous entrer ou du moins quel que soit couloir nous utiliser pour nous entrer, nous t'ai toujours tendu au dos comme ça, toujours aller dans Comar pour aller faire ticket. Dossier ti 4 1 an ou bien 4 résidence. Normalement, Comar pas là pour boni 4 et visitante. Yo te kon bay longtemps que majorité et bureau immigration kon n'y a pas vle bay li, c'est tout dans Mexico City. Ça son l'autre sujet à pas. Et bien, yo même yo toujours dit c'est pas ou même qui ba ou. Yo même yo juste là pour capable traiter processus refuge avec protection pour moun ki en danger dans pays yo. Et ça fait dans plusieurs occasions me dit comme ça. Yon moun ki vini ici ta de profiter de résidence Mexique là, différents types de résidence ou capable gagner yo, ou du moins autre part me kon di kon sa, bon si toutefois ou son moun ki 100% focus pour obliger aller aux États-Unis. Coûte que coûte, ou gen doit choisir pas aller dans Comar parce que Comar c'est pour moun ki en difficulté dans pays yo, qui vini là, qui choisit et qui veut faire une vie Mexique, qui veut rester Mexique. Mais par contre ou ka toujours fait même processus ça ou entrer États-Unis ou aller dans l'autre pays mais ou toujours gain accès pour ka tourner dans pays Mexique. Ça veut dire son choix qu'il a pillé. Mais je dis à là avec ça qui a passé aux États-Unis hein, gen moun ki vinn trouver ou nan obligation. Même dit ça qui a passé à nous connaît Donald Trump gagner, gen en pile menace de déportation, pas gen assurance vraiment pour moun ki pour entrer là même sont entrer dans CBP ou nan que ou pas risquer déporter ou bien ou pas risquer expulsion dans pays a. Eh bien, je dis à la gen pile moun malgré ou pat gen projet rete Mexique qui choisit aller dans bureau Comar pour qu'il al fait demande refuge et protection comme bureau qui plus facile pour un processus légal ici là. Mais par contre, gen divers autres façons que on moun capable arriver jeune résidence dans pays Mexique, yon travail capable baoul et sou fè un ti moun dans pays a ou capable gen accès à résidence permanent. Si vous venez en tant qu'étudiant, vous avez accès à résidence temps pour étudier. Si vous avez une demande et on le travail, par exemple, qui est un proche ou café pour ici, ou capable de venir dans la qualité de monde qui vient travailler, ça veut dire que vous avez divers façons. Ou marié avec une petite terre ou bien un monde qui réside dans la terre, ou avez accès à résidence là. Vous avez plusieurs autres façons. Ce n'est pas seulement Comar là qui existe. Mais je dis à nous mettre focus sur Comar là, qui c'est bureau qui là pour capable étudier cas pour réfugiés ensemble avec monde qui cherche protection. C'est ça qui est lié, nous devons comprendre très bien. OK? Après ça, il y a monde qui pose une question encore qui dit Léona, si toutefois c'est à travers Comar ou joindre une résidence là, est-ce que vous capable aller à Haïti avec résidence ça immédiatement? Non, pas qu'à aller avec résidence ça immédiatement parce que vous t'êtes déclaré que vous en danger dans pays où y a bon refuge avec protection. Yo bon accès tout après au moins un maximum ou bien un minimum de 10 ans ou capable naturaliser. Mais par contre, même si ou fin point résidence ça à travers demande réfugié protection en Comar là, ou gen tout droit pour capable renoncer à li lè ou vle. Mais gen cas exception et par exemple si ou al fait demande auprès de Comar pour yon cas ijan ou capable joindre une autorisation pour tourner dans pays d'origine sans que ça pas affecté ou. Si l'autre fois ou lever ou prendre résidence dans aller Haïti directement avec. Yo gen preuve côté aller dans un pays côté côté en danger là-dedans là ou vinn risquer perdre résidence ça qui au bas ou à travers refuge et protection. OK?
Et Beke, si on nous quitte Haïti dans moment là pour difficulté, m'pa quoi si Haïti tout à demi veut mettre tête tourner immédiatement. Ça veut dire question ça ou pas poser mieux parce que sous tes coups il quitte pour et problème pays ou pas qu'à faire crivé au bon résidence premier sur mandé qui l'a tourner dans pays. Si vous voulez tourner dans pays ou après renoncer à résidence ça et vous tourner dans pays ou là vous voulez. L'on fin naturalise ou pas pour aucune restriction là-dedans parce que l'on pas réfugié encore vignon mexicain. Là ou gain accès pour capable aller Haïti. Entrer sortir là vous voulez et aller dans l'autre pays même sans aucun problème. L'autre question que vous me posez maintenant Léonard est-ce que l'organe résident ça c'est à travers comment l'on arrive gagner ou pas capable voyager aller dans l'autre pays. Dès vous gain visa ou bien accès pour aller dans l'autre pays, vous capable aller sans aucun problème, ou pas besoin autorisation. Unique côté ou ka gain difficulté ou bien besoin autorisation pour aller, c'est aller dans pays origine côté te dit que la vie ou t'es en danger. Ça veut dire et c'est un monde qui en bas protection, c'est un monde qui en bas refuge. Que oui, elle dit faut respecter ça. Avant que ces bibi on majorité monde qui t'est passé ici, t'est passé par Comal pour que t'es capable gagner résidence. Bien pile dans monde ça qui entre États-Unis depuis des années qui fait demande asile, qui asile en cours, gen ça gen ti pièce, gen ça qui gen l'autre document, gen ça marié même qui jeune résidence. Ça veut dire même si ou prend résidence là, c'est à travers Comal ou prend licite. Ça pas qu'à empêcher ou entrer États-Unis à travers CBP1 ou bien un autre programme. Mais moun ki vini exactement qui choisit dit bon pays m'pa bon, moi opportunité dans Mexique, ou capable toujours aller dans Comal si toutefois beaucoup aller pour faire demande refuge, les qui ont bon résolution positif là, les ça ou fait résidence ou bien résidence permanent, unique droit qu'on pas gain avec lui c'est voter entrer dans politique, mais on gain tout droit même gens avec un Mexicain. Aller l'école, étudier, travail, santé et plus bénéfices toujours. Alors merci d'être que t'attendez, non pas monsieur Alcino Léonard dans semaine ça là, m'a prendre les soins pour me capable faire des vidéos côté m'a répondre à inquiétude monde qui suivre moi qui pour qu'on vienne Mexique et ça qui déjà dans pays Mexique. Restez connecté, partagez vidéo, quittez un commentaire et puis tout pas oublier suivre moi si vous pour qu'on suivre moi sur toute plateforme yo. Dans moment là, moi j'ai un live TikTok qui m'a fait chaque soir. Ma planifié pour capable faire lundi au vendredi. Nous commencer semaine ça là, nous commencer penser plus au sérieux. Nous ka remarqué que me partager quelques extraits sous plateforme et Léonard soit sur Facebook et puis tout sur YouTube. Chaque soir à partir de assoir à la même et toujours aller sur TikTok pour capable voir est-ce que moins live ou bien suivre pour capable au courant des live que m'a fait côté là dans live ça, il y a des monde qui capable monter poser question directement. Et joindre orientation pour Mexique ou bien pour quel que soit l'autre sujet. Bye bye, à la prochaine.